Martin. Je vais mourir. Mais non. Si, je le sais. Qu'est-ce que j'ai, docteur ? Je ne peux pas vous donner de diagnostic fiable, madame Hightower. En médecine, on n'est jamais sûr à 100%. Si la douleur devenait trop forte, vous en prenez une. Et si ça ne suffit pas, une autre 5 heures plus tard. Mais pas plus de 2 par jour, surtout. Je vais mourir, n'est-ce pas? Nous mourrons tous un jour ou l'autre, madame Hightower. Vous direz à votre mari de venir me voir. Docteur, j'en ai encore 3 comme lui à la ferme. Je dois savoir, je dois les préparer. Doucement. J'ai vu le médecin. Et alors? Il dit que je vais bientôt mourir. C'est un charlatan. Pas du tout, Martin. J'ai vu tous ces diplômes accrochés au mur. Souviens-toi de celui qui avait vu les Henley. Se disant que leur fils avait la fièvre. Aujourd'hui, il est solide comme un roc. Ce sont tous des charlatans. Celui-là est médecin militaire. Et alors? Mon corps se laisse ronger petit à petit. Je ne veux pas le savoir. Si, tu dois savoir. Non. Si. C'est en moi. Ça va grossir de plus en plus jusqu'à ce que mon corps ne puisse plus résister. À ce moment-là, mon cœur s'arrêtera de battre. Combien de temps? 2 mois. Un peu plus, peut-être. On doit s'y préparer, Martin. Non. On ne prépare rien. Si ça doit arriver, ça arrivera, mais je ne veux pas en parler. Je ne veux même pas y penser. Amy, arrête. Je t'avais dit de ne pas te lever. Donne-moi ça. Je dois faire bouillir du linge, faire du vinaigre et du pain perdu. Je vais le faire, moi. Dis-moi comment je dois faire. Mais tu dois t'occuper de la paille. Non, non, je n'en ferai plus aujourd'hui. J'en ai rentré beaucoup. Le linge, c'est plus urgent. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je nettoie un peu. Je vais mieux, je n'ai presque plus mal. Martin, comment feras-tu quand je serai plus là? Nous devons en parler, je dois savoir. Je me débrouillerai. Mais tu peux pas à la fois t'occuper de la ferme et élever 4 enfants. Je l'ai bien fait aujourd'hui. Viens là, Amy. C'est quand Dieu t'aura rappelé. Mais que je serai seule, que je songerai à tout ça. Il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut y penser, pour les enfants. Comment tu vas faire avec eux? Je ne sais pas encore. Jessica est assez grande, n'a plus besoin de nous. Nathan, c'est pareil. Il pourrait rester avec moi et on enverrait Margaret et Jack chez Emma, Cleveland, pendant quelques années. Ta sœur a 6 enfants, ils sont encore plus pauvres que les rats. Alors, ils n'auront qu'à prendre Margaret, on n'aura qu'à envoyer Jack chez mon frère Daniel, à Baltimore, je ne sais pas, moi, on se débrouillera. Tu voudrais que je meure en sachant que ma famille va être dispersée sur tout le continent?
Tu ne sépareras pas mes bébés, ou je reviendrai pour te hanter jour et nuit. Alors, peut-être que je revendrai la ferme et que je repartirai au pays pour ouvrir un commerce avec mon père. Les enfants seront avec moi toute la journée et il y aura du monde pour m'aider. Martin Hightower, nous avons vécu un enfer de 2000 kilomètres pour atteindre cette terre. Nous avons travaillé jour et nuit pour en faire quelque chose. Aujourd'hui, les enfants ne songent qu'à jouer dessus, mais un jour, cette ferme leur reviendra. Je t'interdis de la vendre. Je te l'interdis. Qu'est-ce que je dois faire, là? Tu dois commencer à t'en inquiéter. Je n'arrête pas d'y penser. Martin? Je sais ce qu'on va faire. On va te trouver une autre femme. Je ne veux pas d'autre femme. Aujourd'hui, mais quand je serai morte, tu en auras besoin d'une, tu le sais bien. C'est maintenant qu'il faut en choisir une autre. Écoute-moi bien, Amy Hightower. Quand le moment sera venu où tu seras ce que tu as dit, peut-être que j'y songerai. Mais aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de débattre du choix de ma deuxième femme avec la première. Ce sera trop tard après. Tu vas pas attendre que tout s'effondre autour de toi. On doit s'y mettre maintenant. Une autre devra prendre ma place le lendemain de ma mort. Arrête de parler comme ça, Amy. Tu commets un péché aux yeux de Dieu. Dieu? Parce que tu crois que Dieu ne voudrait pas que tu vives avec les enfants sur cette ferme? Et qu'il voudrait que cette famille se disperse, c'est ça que tu crois? Je ne sais plus ce que je dois dire, Amy. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une femme pour 10 hommes des plaines du Texas jusqu'à celle du Dakota. Alors où veux-tu en trouver une qui voudra tenir une ferme et élever 4 enfants qui ne sont pas les siens? Raison de plus pour chercher maintenant. Monsieur Vandermeer? Oui. Madame Hightower, j'habite la ferme près du vallon. Je voudrais vous parler quelques instants. Je vous en prie, entrez. Voici ma femme. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Un peu de café? Oh, non, je n'en veux pas. Merci. Je suis très malade. Je vais bientôt mourir. C'est pas la fièvre. Ah, j'en suis peiné, vraiment. Mon mari et moi, nous avons 4 enfants. L'aîné a 7 ans. Il lui faudra vite une autre femme quand je serai partie. Je sais que vous avez une fille, Caroline. Je suppose que c'est elle. Ah non, elle, c'est Esther. Elle fait plus que son âge, elle n'a que 11 ans. Caroline, c'est elle, là-bas. Alors voilà. Je voudrais savoir si le moment venu, vous laisseriez mon mari la prendre pour femme. Ah. Et je vois... Nous sommes propriétaires, nous avons beaucoup de terres. Nous avons planté 2 hectares de blé cette année. Nous avons 6 vaches, des oies, des cochons, des poules. Nous avons aussi des arbres fruitiers, une table en chêne que nous avons apportée du Maryland. Nous avons un édredon à plumes d'oie, une fileuse à coton et plusieurs nappes blanches pour les jours de fête. Il y en a quelques-unes à repriser, mais elles sont belles. Martin est un homme gentil et très travailleur. Il ferait un bon mari pour elle. Madame Hightower, vous êtes une femme très bien. Je voudrais bien pouvoir vous venir en aide, mais nous avons reçu 5 offres concernant notre fille aînée, Caroline. Le propriétaire du moulin de Bellevue est prêt à me verser $600. Il est un peu âgé, mais c'est un bon chrétien. Le forgeron aussi me l'a demandé. Son fils va bientôt reprendre son affaire et il aura besoin d'une femme pour tenir sa maison. Madame Hightower, je sais le genre de vie que mène une femme de fermier. Je pense que Caroline mérite mieux que ça. Je suis désolé. Ainsi, je découvre déjà la vallée de la mort sans redouter l'enfer. Ton chant et tes paroles me guideront. Et j'habiterai au royaume des saints à tout jamais. C'était un bon fermier, un bon époux, un bon père, un homme bien. Accueille-le auprès de toi, ô Seigneur, et nous prions pour que tu accordes le bonheur et la grâce à ceux qui laissent derrière lui. Tu es né poussière. Poussière, tu redeviendras.
Madame, excusez-moi de venir vous importuner en un moment pareil, mais il se trouve que je passais par là et je vous ai aperçu. C'est sans doute la providence qui a fait que je me suis arrêtée ici. Puis-je vous parler un moment, s'il vous plaît? Oui. Allez m'attendre. Le Seigneur vient de rappeler à lui votre mari et il va manquer un père à vos enfants. Il se trouve que dans quelques semaines, mon mari va être veuf lui aussi et il manquera une mère à nos enfants. Alors, en son nom, je vous demande si vous seriez prête à vous remarier avec lui. Je comprends. Je comprends et je vous remercie. Mais la Providence vous a fait venir trop tard. Je suis déjà promise. Je vois. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'être heureuse. Excusez-moi, je me suis trompée. On a dû mal me renseigner. Désolée de vous avoir dérangée. Allez, avance. Hé ! Vous cherchez la veuve Hattie Donahue ou la veuve Isabelle Donahue ? Ici. Écoutez-moi, vous allez être bien sage et vous ne parlez que si on vous demande quelque chose. Martin ? C'est bien. Elle arrive, va prendre ta place. Je vous en prie. Entrez. Voici Madame Hattie Donahue et Madame Isabelle Donahue. Mon mari, Martin Hightower. Bonjour. Enchanté, monsieur. Et voici nos enfants, Jessica, Nathan et Jack, et la petite Margaret dans son berceau. Le Seigneur n'a jamais eu la bonté de me faire de moi une mère, mais vos enfants semblent être en bonne santé. Oui, ils ont une bonne constitution, comme leur père. Bien. Voulez-vous vous asseoir? Allez-y, les enfants, allez. Mesdames, ma femme a fait une tarte à la mélange et j'espère sincèrement que vous saurez l'apprécier. Mademoiselle Donahue, je regrette, mais je ne me marierai jamais avec vous. Je vous remercie de votre visite. Maintenant, je vous demande de m'excuser, une de mes bêtes est malade. Excuse-moi, Amy, mais je ne pourrais pas épouser cette femme. On en avait parlé. Je sais que tu devras te remarier. Oui, mais pas avec elle. Et pourquoi pas avec elle? Elle est forte, en bonne santé et respectable. Oui, mais elle ne me fait rien. Quoi? Cette femme ne me fait rien, rien du tout. Un homme ne peut pas aller au lit avec une femme qui ne lui convient pas. Alors ne couche pas avec elle. Mais c'est pas pour ça que tu dois pas l'épouser. Un homme se doit de coucher avec sa femme. S'il ne couche pas avec sa femme, c'est pas un homme. Il n'y a personne d'autre. J'ai cherché dans tout le pays. Alors, il ne nous reste plus qu'à aller chercher plus loin. Elle ne lui fait rien. Moi, je te fais quelque chose?
chaque fois que je te regarde. À chaque fois que Dieu me met dans tes bras. Excusez-moi, savez-vous s'il y a des femmes célibataires par ici? Savez-vous s'il y a des femmes célibataires qui vivent par ici? Non, pas que je sache. Qu'est-ce que je vous sers? Une limonade. À la salle, c'est pareil? Salle, c'est pareil! Asseyez-vous. Merci. C'est pour vous, les bières? Ça ne va pas, madame? Je croyais que dans une ville aussi grande, il y aurait des femmes à marier. J'ai cherché partout, j'en ai pas trouvé. Ça ne m'étonne pas. Dès qu'une nouvelle arrive ou qu'une petite a grandi, les hommes viennent leur tourner autour. Je parie que toutes les femmes entre 14 et 114 ans sont mariées. Sauf celle du bas, mais c'est normal. Celle du bas? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, les filles qui vivent ensemble dans le bas de la ville. Et elles sont célibataires? Oui, si on veut. Sauf quand elles travaillent, si vous voyez ce que je veux dire. Non, non, je vois pas. Oh. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais vous parler un moment. Oh, enfin, vous voyez pas que j'ai pas le temps de parler. Vous n'avez pas vu que la porte était fermée, non? Excusez-moi. Allez, mon chéri, on va prendre mon arrêté. Excusez-moi. Oui? Puis-je avoir un peu de votre temps? Il faut payer d'abord. Non, laissez ça entrer. Je m'appelle Amy Hightower. Vous êtes Pearl? Ouais. Quel est votre nom de famille? Non, j'en ai pas besoin. Depuis combien de temps vivez-vous à Cedar Springs? Depuis trop longtemps. Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée à mon travail. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais simplement que vous épousiez mon mari pour élever mes enfants après ma mort, qui viendra bientôt. Très bien.
Vous ne m'avez pas demandé où nous habitons, ou bien ce que nous faisons. Vous ne m'avez même pas demandé comment était mon mari. Il a déjà tué des gens dans leur sommeil? Non. Alors je devrais pouvoir le supporter. Vous aimez les enfants? Ça dépend. Certains oui, d'autres non, comme les adultes. Je vous préviens que la vie chez nous est plus dure qu'ici. Attendez, vous commencez à regretter, c'est ça? Mieux vaut en finir tout de suite, alors. Non, je suis seulement un peu inquiète. Je suis là à vous dire que je vous confie ma maison, mon mari, mes enfants. Et je sais rien sur vous, sauf que... Je suis une prostituée. Bien, je vais vous parler de moi, puisque vous y tenez. Au revoir. Je ne suis pas une prostituée, pas seulement. Je suis une bonne prostituée. Là où je travaillais, à la Nouvelle-Orléans, les hommes devaient réserver pour venir avec moi des jours à l'avance. En Californie, les mineurs déboursaient 500 dollars pour une demi-heure de mon temps. Et 80 dollars pour une tasse de café. Mais en arrivant dans ce trouara, j'ai trouvé que des filles deux fois plus jeunes que moi. Et ça, ça a été dur. Mais je me suis battue, bien battue. Et je me battrai aussi pour être une bonne mère et une bonne épouse. Maintenant que j'aille avec vous ou pas, ma décision est prise. Je pars. C'est beau, la Californie. Embrasse-toi. Papa, maman est arrivée avec une... Doucement. Maman est arrivée. Oui, je sais. Chut, chut. Je ne veux pas que vous restiez dans la maison. Allez, profitez du soleil. Allez. Dou, 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 dou. Je suis caché sous un chou. C'est fini. Elle a pleuré toute la journée, mais j'ai réussi à la faire jouer un peu. Et on a chanté aussi. Avec maman. Oui. Oh, viens là, mon bébé. Pearl, voici mon mari, Martin Hightower. Martin, Pearl. Il vous convient? Il me convient. Est-ce qu'elle te convient? Je dois vous dire que tout ceci n'était pas mon idée. J'y étais même opposé. Mais je n'ai pas trouvé de réponse face aux arguments de ma femme. Elle te convient, oui ou non? Oui, elle me convient. Quand allez-vous lui dire? Je pense que le plus tôt sera le mieux. C'est une prostituée. C'est une quoi? Une prostituée. Une vraie prostituée? Chut. Tu ne me l'avais pas dit, ça. J'ai pas eu le temps. Je peux savoir ce qui t'a pris de la ramener à la maison? C'est tout ce qu'il y avait. J'ai cherché d'un bout à l'autre de la ville. Il n'y avait rien d'autre.
n'ai jamais dit que j'épouserais une prostituée. Si tu préfères épouser la veuve d'Onayou, je peux aller la chercher. Il faut que tu décides. La prostituée ou la veuve d'Onayou, c'est l'une ou l'autre. Tu n'as pas d'autre choix. Une prostituée. Martin. Regarde. Là, là et là. Je n'en ai plus pour longtemps, je le sens. Je l'apprends. Quand va-t-elle repartir? À Cedar Springs? Pearl ne repart pas. Elle reste ici. Elle reste? Pearl n'a jamais vécu dans une ferme. Et elle ne connaît pas mes enfants. Je dois tout lui apprendre. C'est pas quand je serai morte qu'elle pourra me demander. Et toi, tu auras besoin d'elle. Ce n'est pas sain qu'on habite sous le même toit. Elle a qu'à dormir dans la grange. Fais-lui une couchette et moi, je m'occuperai des couvertures. Amy, toi et moi, nous deux, avec elle, c'est... C'est le seul moyen. C'est le seul moyen, mais ça n'est pas simple. Vous le dites si je vous dérange. Quand ils ont mal aux oreilles, c'est souvent le cas de Nathan, je prends du jus de tabac et de l'oignon, et je fais tout bouillir, et je leur verse quand c'est tiède. Quand ils saignent, j'applique de la toile d'araignée, c'est très efficace. Et pour les coups de froid, je... Oh. Excusez-moi. Vous voulez bien ramasser l'autre? Qu'est-ce que c'est? Du fumier de buffle. C'est bon pour chauffer. Vous le rentrez dans la maison? Ah oui, mais pour chauffer, ça vaut mieux. Mais on l'entrepose dehors. Une fois séché, ça sent presque rien. Quand l'hiver sera là, vous serez bien contente d'en avoir d'avance. Je serai tellement contente que j'irai dehors et j'embrasserai le derrière du premier buffle qui passera. Abraham Lincoln aurait dû penser à vous avant de penser aux esclaves. Oh, 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 ma soupe. Ça vous va? J'ai connu pire que ça. J'imagine. Excusez-moi, je n'aurais pas dû dire ça. Si, au contraire. C'est la première fois que vous me dites une phrase en entier. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau qu'on m'a fait il y a longtemps. Je peux l'essayer? Tu pourras le porter le jour où il n'y aura plus autant de boue sur ta peau. Je sais pourquoi vous êtes là. Moi, je voudrais bien le savoir. Il faut qu'ils aient quel âge, ces mouflets, avant d'être capables de se changer tout seuls. Laissez, je vais le faire. Non, non, je dois apprendre. Là, là. Ah, oui. Tiens. Aïe. Aïe, mais t'es fou. Ça ne va pas, Jack? Nathan a mis une sauterelle dans mon pantalon. Tu arrêtes, Nathan.
Demande pardon à ton frère. Et demande pardon à la sauterelle aussi. À quoi pensez-vous, Pearl? Je pense à toutes ces nuits passées avec ces hommes gras, pleins de sueur, pleins de crasse, qui m'envoyaient des bouffées d'alcool dans le nez pendant qu'ils s'acharnaient sur moi. Mais je ne réalisais pas la chance que j'avais. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte de l'eau. Ça sent bon. Ça vient d'Europe. Je dois me faire belle pour aller voir les cochons. Je dois aller préparer la cave pour le fromage. Vous voulez voir comment je fais? Oh oui, j'ai hâte de voir ça. Tenez. Prenez-en. Qu'est-ce que c'est tout? Je prépare moi-même mon baume avec de la cire, de l'huile douce et des pétales de rose. C'est pas le même que dans les boutiques, mais il me suffit. Oh! Ils sont magnifiques, Serre Noir. Merci. Ils sont pour toi, Jack. Ils sont beaux, hein? Oui, Serre Noir. Je suis sûre que mon ami voudrait des mocassins. Je me demande ce qu'il pense de nous. Pour lui, on représente un autre monde. Il n'y a pas que pour lui. J'en ai assez! Depuis que vous êtes là, vous n'arrêtez pas de critiquer ce que nous faisons et ce que nous sommes! Oh non, je n'ai encore rien dit. Mais si vous détestez tant cette maison, pourquoi vous ne partez pas tout de suite? Mais comment vous feriez si je partais? Qui serait assez stupide pour rester dans cette baraque? Oh, mais ne vous en faites pas pour moi! Je suis sûre que d'autres vieilles prostituées seront prêtes à venir moisir ici! Oh, Seigneur! Excusez-moi, Pearl. Non, ne partez pas. Je ne pars pas. Ne vous en faites pas. Un accord est un accord. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a vendu une maison close. Je n'ai pas eu vraiment le choix à l'époque. Mais au bout de quelques années, j'aurais pu repartir. J'avais assez d'argent. Je sais que d'autres l'ont fait. J'étais jeune, j'étais belle. J'aurais pu trouver un mari, élever des enfants. J'avais le choix. J'ai préféré rester, gâcher ma vie. Alors, le fait que je déteste tout ce que vous avez et tout ce que je n'ai pas, ça me donnera du courage. Je leur fais la classe une heure dans la journée et une heure après le souper. Celui-ci est très bien pour commencer à lire avec les petits. Celui-ci est un livre d'histoire et ça, c'est un recueil de poèmes. Il réunit des œuvres de plusieurs auteurs. Je comprends pas tout, mais il y a des mots que j'adore. Hein? Écoutez, je n'ai jamais eu besoin de savoir lire, alors je ne peux pas les aider. Votre mari pourrait leur apprendre? Non. Il fait semblant de lire la Bible, mais en fait, il la connaît par cœur. Mais c'est pas grave, ils vont bientôt construire une école et prendre un instituteur en février. Elle est à 6 kilomètres. Jessica et Nathan pourront y aller. Bon. Il y a une chose que je peux leur apprendre, c'est le calcul. Je suis très forte.
Demandez-moi combien font 35% de n'importe quoi. Allez-y. Combien font 35% de 600? 210. Allez-y, continuez. Demandez-moi un autre, plus dur. Mais vraiment dur. 4980. Ça fait 1743. C'est incroyable. Mais comment vous faites? La maison où je travaillais, à la Nouvelle-Orléans, la Porte Rouge, me prenait 65% de ce que je gagnais. Il me restait donc 35%. Alors j'ai pris l'habitude de calculer de tête. Prenez-la sous les bras. Elle ne peut pas tomber comme ça. Oh. Vous la soulevez et vous la posez sur votre épaule. Oh. Ce n'est pas si terrible que ça. Je vous l'avais dit. Vous croyez que vous en aurez un jour? Il est encore temps. J'ai déjà été enceinte une fois. Le coiffeur était le seul à pouvoir faire quelque chose. Et il a tellement bien fait les choses que je n'ai jamais eu d'enfant et je ne peux plus en avoir. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Oh, 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 avec mes sabots. C'est Pearl qui a fait la tarte. Elle est bonne, non? Hein? Alors dis-lui qu'elle est bonne. Je l'ai dit. Non, tu me l'as dit à moi. Elle a cueilli les fruits, elle a roulé la pâte, elle a tout fait toute seule. C'est la première tarte qu'elle fait de sa vie. Alors dis-lui qu'elle est bonne. La tarte est bonne. Il se rattrape en mangeant. Tu es sûre? Je me sens beaucoup mieux depuis quelques jours. Si ça te fait mal, tu me le dis tout de suite, promis. Ça m'appuie dessus, ça me fait trop mal. Je peux pas. Ça ne fait rien. Mais tu en as besoin. Mais non. Alors pourquoi on le faisait presque tous les jours avant? Parce que ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir, mais je n'en avais pas besoin. Martin, si toi et Pearl, vous voulez le faire, ça me dérange pas. Si on veut faire quoi? Le faire, ensemble. Quoi? Mais tu sais... Mais enfin, Amy! Tu te rends compte de ce que tu me dis, là? De toute façon, quand je serai morte, vous le ferez. Alors, pourquoi attendre? Quoi? Mais quelle sorte de mari crois-tu que je suis? Tu es un bon mari. Mais tu es un homme. Et un homme a besoin de sentir le corps d'une femme. Et ça, je ne peux plus te le donner. Bien, alors, on va lui dire de venir. Elle va se déshabiller. Tu vas t'asseoir sur le bord du lit et tu vas nous regarder. Tu pourras même lui dire comment faire, des fois qu'elle est oubliée. Je voulais juste que tu saches que... Et moi, je veux que tu saches que si jamais tu reviens me parler de ça, je lui dis tout de suite de prendre ses affaires et de repartir. Tu as compris? Oui, j'ai compris.
assez charitable d'y avoir pensé. $35 de $100 font $70 $35 de $200 font $70 $35 de $300 font $105 Tu as pris du lait pour Jack? Tu as le lait pour Jack? Le lait? Oui. Bonne nuit. Belle journée, hein? Quoi? Non, rien. Je disais que ça allait être une belle journée. Oh. Vous entendez? Chut. Ça, c'est un jet. Il y en a peu par ici. Regardez. Je ne savais pas. Vous aimez les oiseaux? J'ai rien contre eux en particulier. Moi, j'ai toujours aimé les oiseaux. J'ai appris à les connaître. Depuis tout petit. J'imitais leurs chants. Je sais tous les faire. Tenez, par exemple, les hiboux. Je peux tous les faire. Il y a d'abord le cri de porc. Ensuite, il y a le hibou qui va se battre. Et puis le chant d'amour. Très impressionnant. Enlevez vos mains. Ah, mais Amy m'a dit que je pouvais. Comment ferez-vous pour imiter les oiseaux quand je vous aurai cassé toutes vos dents? Vous êtes une prostituée, oui ou non? Je ne suis plus une prostituée. J'étais une prostituée. Maintenant, je suis fiancée, c'est compris? Maman est tombée par terre! Papa, elle a dit qu'elle a mal au ventre. Maman est tombée et elle dit qu'elle a mal au ventre. J'ai mal, ma... Allez chercher le laudanum. Je lui ai déjà donné. Donnez-lui encore. Mais c'est trop tôt. Faites ce que je dis. Dépêchez-vous. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Tiens, Pearl t'a préparé à manger. C'est bon et c'est encore chaud. Prends-en un peu. Je peux rien avec. Essaye. Un petit peu. Sinon, tu vas la vexer. Encore. Je peux pas. Bon, très bien. Tu veux que Jessie te dise quelque chose? Tu sais qu'elle lit mieux que moi depuis que M. Honecker nous prête son magazine. Et il est récent. Il ne date que d'un an. Et il nous le prête. J'ai sommeil, je voudrais dormir. Bien. Bonne nuit. Oh.
sans s'embrasser. Pourquoi? Parce que c'est particulier. N'importe qui peut faire l'amour. Les animaux le font aussi. Mais il n'y a que les humains qui s'embrassent. Ça veut dire trop de choses. Et le reste, je peux le faire? Oui, le reste, vous pouvez. Vous devriez y aller. Elle va se réveiller et elle va se demander où vous êtes. Non, non, ça, on en a parlé. C'est elle qui l'a voulu. Parfois, une femme dit vouloir quelque chose et c'est à 100 lieues de ce qu'elle veut vraiment. Peut-être. Mais je pense que quand je lui dirai, elle ne sera pas surprise et elle sera même contente que ça soit bien passé. Vous allez lui dire? Je ne suis pas d'accord. Je sais, mais je lui dirai quand même. Et puis... je voudrais vous dire... c'était bien. Ça aussi, vous allez lui dire? Bien sûr. Attendez-moi. Je ne veux pas manquer ça. Bonjour. 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 Amy, Pearl et moi, nous avons fait ce que tu as dit. Et Pearl avait peur que tu ne sois pas contente. Alors je lui ai dit que tu serais contente et que tu le lui dirais. Tu es contente, n'est-ce pas? Je suis contente. Va faire du feu pour le four. Ah oui, mais Jessie l'a déjà fait. Je voudrais parler à Pearl. Ah. Laisse-nous. Très bien. Excuse-moi. Pearl. Approchez. Alors, comment c'était? Quoi? Est-ce que vous êtes satisfaite de lui? Il s'y prend bien? Ça fait 10 ans que vous êtes mariée avec lui. S'il y a quelqu'un qui doit le savoir, c'est bien vous. Oui, bien sûr, j'ai toujours été satisfaite de lui, mais c'est le seul homme que j'ai jamais connu. Alors que vous, avec l'expérience que vous avez des hommes, vous pourriez avoir un autre jugement, dire qu'il ne répond pas à certains critères. Vous présentez ça très bien. Merci. Eh bien, d'après mon expérience, et mes critères, comme vous dites, je dirais qu'il se débrouille très bien. Ça me fait plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Et juste avant d'exploser, il n'a pas dit quelque chose? Eh bien, j'étais moi-même très occupée, mais je crois qu'il a dit gloire, gloire. Oui, c'est ça. Il le dit à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Ça ne vous fait pas mal de m'imaginer avec lui, comme ça? Si. Bien sûr. Mais pas autant que l'idée que vous puissiez partir. De l'eau! J'ai trouvé de l'eau! De l'eau! Ça y est, on a notre fille. De l'eau, de l'eau. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. De l'eau.
Je vous présente M. Royal Spencer. Il habite la ferme près de Riverdale. Nous nous sommes connus à l'église. Vous voulez manger quelque chose? Oh, non, non, merci. Un café suffira. Du café, hein? On vous donne ça. Ma femme vient d'avoir un bébé. C'est notre premier fils. Ah. Nous fêtons l'événement la semaine prochaine et j'aimerais que vous veniez avec votre dame. Ah, mon épouse est la personne qui est alitée. Cette personne-ci est notre amie, Mademoiselle Hickson. Comme vous le voyez, ma femme est quelque peu souffrante. Elle va mourir. Ne dis pas de bêtises. Avec Pearl. Non, Amy. Elle n'arrête pas de travailler. Elle fait tout ce que je faisais avant et en plus, elle me soigne. Elle a bien mérité sa journée. Amy, écoute... Non, tu discutes pas, vous y allez. Tout ira bien. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Elle est magnifique. Peut-être un peu trop belle pour les gens qui vivent par ici. Oui, c'est ce que je pense aussi. Mais c'est la seule robe de soirée que j'aime. On pourrait peut-être sortir la mienne. Elle ressemble un peu à ça. Elle vous ira très bien. Ah, peut-être, je sais pas. Vous emprunter votre mari, c'est une chose. Mais votre robe de soirée, c'est autre chose. Alors? Oui, il vaudrait mieux la boutonner encore. Comme ça. Bon, d'accord. Tu es prêt? S'il te faut de l'eau, Jesse ira t'en chercher. Jack et Nathan allumeront le feu. Nathan sait se servir des allumettes maintenant. Tout se passera bien. Je suis moins fatiguée. Très bien. Allons-y. Attends. Quoi? Offre-lui ton bras. Pourquoi? Comme ça. Offre-lui ton bras. Vous faites un très beau couple. Bonsoir. Oh, content de vous voir. Venez, venez. Le buffet est là. La danse vient de commencer. Alors amusez-vous surtout. Excusez-moi, vous permettez? Je m'appelle Jack Masterson, je suis de la famille de Royal. Je vous aurais bien invité à danser avant, mais je croyais que l'homme avec qui vous êtes arrivé était votre époux. Mais Royal vient de me dire que vous êtes une amie de sa femme. Vous savez, vous êtes la femme la plus belle ici. En fait, vous êtes la plus belle femme que j'ai vue depuis que je suis arrivé ici. Et même la plus belle femme que j'ai jamais vue. Ce que je cherche à vous dire, c'est que... Je suis belle. Et c'est ça, oui. Et je voudrais savoir si je pourrais venir vous voir de temps à autre et peut-être nous fiancer, si Dieu veut qu'il en soit ainsi. Excusez-moi. Merci. Qu'est-ce qu'il voulait ? M'épouser. Qu'avez-vous dit? Je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Excusez-moi. Vous venez de danser avec elle. Maintenant, elle va danser avec moi. Je voudrais qu'on termine notre conversation. Votre conversation est terminée. Ne refaites jamais ça ou vous le regretterez. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir.
J'aurais pu lui faire mordre la poussière. Il a eu la chance d'être plus rapide et plus fort que moi, sinon il aurait eu mal. Oui, évidemment, vu sous cet angle, il a eu beaucoup de chance. Il y a une chose que vous devez comprendre, je ne vous appartiens pas. Nous avons conclu un arrangement qui n'est pas encore devenu effectif. Maintenant, si ce que vous redoutez arrive, que je devienne votre femme, alors là, vous aurez un droit de regard sur mon comportement en société. Mais en attendant, je fais ce que je veux et avec qui je veux. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Vous parlez encore d'arrangement après ce qui s'est passé entre nous? Mais ça ne compte pour rien. Pour respecter les vœux de votre femme, j'ai simplement satisfait certains de vos besoins physiques. Il n'y a pas d'autre raison. Oh. Oh. Alors pourquoi, quand je vous ai vu dans ses bras, j'ai eu l'impression de prendre un coup de poignard? Oh, oh! Comment es-tu venue ici? Jessica m'a aidée. Tu n'auras qu'à m'apporter mes affaires demain. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est sans importance. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux que Pearl aille dans la maison avec toi. Non, Amy. Je ne peux pas faire ça. C'est chez vous. Bientôt, ce ne sera plus chez moi. Ça me ferait du bien de vous voir vivre en famille. Faites-le pour moi. Non, il n'en est pas question. Mais je me sens mal à l'aise, moi, avec vous. Je t'empêche de dormir la nuit et la journée, je ne peux pas me reposer avec les enfants. Bien, alors, je vais aller les voir et leur dire de ne plus faire de bruit. Vous savez comme moi que la fin ne sera pas belle à voir. Je préférerais que les enfants ne soient pas là pour m'entendre les derniers jours. S'il vous plaît. Je vous le demande. Ça va faire 3 jours qu'elle garde plus rien. Viens, ma chérie. Entre. Viens, Jessica. Ne servira à rien maintenant. Alors pourquoi veux-tu le faire? Parce que je suis encore lucide et je serai plus tranquille. Vous voulez que je reste? Bien sûr. Il nous faut un témoin. Tu es prête à écrire? Les dernières volontés et le testament de... Comment ça s'écrit, testament? Je
ne sais plus très bien. Écris-le comme ça se prononce, ça ira. Amy Marigold Hightower. Tu as un deuxième nom de famille? J'ai jamais pu m'y faire. Moi, je le trouve plutôt joli. À ma belle et grande fille Jessica, je lègue ma broche qui avait appartenu à ma grand-mère Riva. À Nathan, je lègue mon recueil de poésie. À Jack, je lègue la pince à cravate en argent de mon père. Et à ma toute petite Margaret, ma photographie et mon journal pour qu'elle apprenne à me connaître plus tard. À ma nouvelle amie, Pearl Hickson. Toutes mes robes, enfin celles qui lui iront. En particulier... Non, ne mets pas en particulier. Ma robe de mariée. Et enfin, mon cher époux, Martin. Ma part de la ferme et le peu que j'ai pu garder au fil des années. Tu as tout écrit? Presque tout, enfin, je crois. Je vais signer. Et toi, tu signes. Ici. Bien. Jessie, va faire manger les petits. Le souper est prêt dans le four. J'ai préparé un gâteau au lait. Enlevez-vous, il est encore chaud. Tiens. Debout, allez. Aidez Martin. Vous en faites trop, vous devriez vous reposer. Je ne veux plus jamais m'allonger. J'ai envie de courir, de sauter, de danser, de manger. Je me sens si bien. Oh, Dieu n'est pas encore prêt à m'accueillir. À moins qu'il y ait trop de monde en enfer et que le Nebraska soit devenu un refuge. Je suis en pleine forme. Je me sens revivre. Thank you.
aller la retrouver. Vous êtes son mari. Votre place est dans son lit, pas dans le mien. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Je l'aimerai toujours. J'ai commencé à la remplacer pendant qu'elle était souffrante. J'ai cru que ce serait définitif. Mais ce n'est pas le cas. Allez la retrouver. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, elle m'envoie vers vous, et là, vous me dites de partir. Je suis comme cette balle de cuir avec laquelle jouent les Indiens. Ça ne fait rien. Allez-y. Décidément, c'est difficile d'être un homme. Je vous ferai savoir où l'envoyer quand je saurai où vous devez l'envoyer. Je vais prendre la diligence. Pas question. Si, je pars. Je n'ai plus ma place parmi vous, vous le savez bien. Vous avez décidé ça comme ça, d'un seul coup. Oh! J'espérais ne pas avoir à vous donner d'explications. Vous ne pouvez pas. On avait conclu un arrangement. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens. Et vous ne l'avez pas respecté. Vous êtes encore de ce monde. On ne peut se fier à personne aujourd'hui. On aurait perdu la ferme si vous n'aviez pas été là. On vous doit énormément. Pas tant que ça. J'ai gardé 20 dollars sur l'argent des œufs. Ces derniers mois. Mais vous avez raison, je mérite un peu mieux. En fait, si vous m'emmeniez jusqu'au relais, on serait quitte, ou presque. Où est-ce que vous allez? Peut-être dans l'Oregon. Il y a beaucoup de scieries là-bas. Vous allez faire quoi? Non, Pearl. Oh, je ne sais rien faire d'autre. Non, je ne sais pas ce que je vais faire. Si je voulais un mari, je suis certaine que j'en trouverais un dans ce pays. Même sale et en guenille, une fille est toujours bonne à marier. Je crois que je n'aurai jamais de mari et de famille. Un point, c'est tout. Et pourquoi pas? Je ne sais pas. Moi, je sais. Parce que dans votre cœur, vous avez un mari et une famille, la mienne. Oh! Vous ne partez pas, on va s'arranger autrement. Cette ferme est votre foyer. Votre place est chez nous. Mais pour votre mari? On trouvera sûrement une solution. Ça tombe sous le sens, Martin. Il y a largement de quoi faire pour nous trois. Alors on fera comme ça. Je travaillerai à la maison et Pearl viendra au champ avec toi. Et le lendemain, on changera. Comme ça, il y aura toujours deux personnes avec toi et tout le monde sera content. Oui, sans doute. Et puis Pearl m'a dit qu'elle voulait retourner dans la grange.
Mais je pense que comme on sera trois à travailler, tu auras tout le temps pour agrandir la maison. Et elle aura sa chambre ici. Oui, on commencera juste après les semences. Bien. Une dernière chose. Pearl et moi, nous partageons tout. Les tâches ménagères, la cuisine, la lessive, la toilette et l'éducation des enfants. Alors, il serait normal qu'on partage aussi le reste. Y compris tes attentions. Qu'est-ce que tu me proposes, là? Eh bien, tu as beaucoup d'affection pour moi, n'est-ce pas? Tu es ma femme, Amy. Et tu éprouves de l'affection pour Pearl aussi, c'est vrai. Oui. Et toutes les deux, nous avons de l'affection pour toi. Alors je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aussi s'arranger sur ce plan-là. Tu ne vois pas. As-tu pensé à Dieu? À chaque fois, tu me parles de Dieu, mais il comprendra très bien. Le roi Salomon était proche de Dieu, et il avait des milliers de femmes. Et les mormons? Ils sont chrétiens, et ils ont autant de femmes qu'ils veulent. Mais je ne suis pas mormon, et je ne suis pas le roi Salomon. Alors dis-moi, comment vois-tu ça? Comme le ménage? Elle viendra me voir le lundi, le mercredi et le samedi. Et toi, ce sera les autres jours, à moins que vous ne veniez toutes les deux en même temps, pour que ce soit beaucoup plus commode. Mais je suis désolée, Martin, je pensais que ça allait te convenir. Je n'ai pas dit que ça ne me convenait pas, j'ai dit que ça n'était pas bien. Alors tu préfères que Pearl s'en aille pour nulle part, alors qu'on lui a promis qu'elle resterait chez nous? Non, ça ne serait pas normal. Mais elle ne peut pas rester sans... Non, elle ne peut pas. Une femme aussi a des envies, comme un homme. C'est vrai, ça? Oui. Mais il n'y a pas que ça. Pearl est très attachée à toi, elle me l'a dit. Martin, tu as été avec moi et tu as été avec Pearl. Oui, mais pendant que j'étais avec toi, j'étais avec toi. Et pendant que j'étais avec Pearl, j'étais avec Pearl. J'étais pas obligé de changer d'une nuit sur l'autre. Mais si tu n'étais pas obligé de changer d'une nuit sur l'autre, si on choisissait que tu passes une moitié de l'année avec elle et l'autre moitié de l'année avec moi? Dans ce cas, c'est différent. Ça paraît un peu moins dégradant. Oui, je pense que ça pourrait me convenir. Alors, il n'y a plus qu'à se décider. Qu'en pensez-vous, Pearl? Qui aura l'hiver? Nous tirerons au sort. Je pense que l'arrangement que nous avons trouvé mérite d'être conclu en beauté. Pearl. Bon. Je me demande s'il est bien nécessaire d'attendre 6 mois. On pourrait changer tous les trimestres. Ou bien tous les mois. Il faudra essayer. Ou... une semaine? Ce sera bien une semaine. Mais pas question d'aller jusqu'à... enfin... pas une nuit l'une, une nuit l'autre. Non. Pas les premiers temps.
va faire froid cette nuit. Pearl ne doit pas être bien dans la grange. Elle ne pourra pas dormir. Ça te plaît, ça? Oh, oui, ton sucre d'orge. Mmh. Tiens, ma chérie, c'est pour toi. 48, 49, 50, 51, 52, 53. C'est maman qui l'a fait. Je ne sais pas si tu vas aimer ça. Tu crois que tu vas aimer ça? Tu n'en as jamais mangé avant. Tu en veux, alors? Tu es sûr? Oh. Laisse-le refroidir un petit peu. Oh. Ah! Sois vite sur pied comme la dernière fois. Je te le promets. Je sais. Il est temps de la coucher maintenant. Oui, oh, bonne nuit. Bonne nuit, Margaret. Pearl. Pearl. Vous savez, tout à l'heure, pendant que vous faisiez la cuisine, vous savez à quoi je pensais? Non. Je me disais, c'est la dernière fois que tu fais pipi toute seule. Oh, Amy. Quand on est valide, on ne pense jamais à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je sais que ça va me manquer. Vous n'avez jamais pensé à ça? Non. Mais j'essaierai d'y prêter plus d'attention à l'avenir. Je suis sûre que vous allez vous remettre bientôt. Nathan. Nathan est très intelligent. Il paraît qu'ils ont commencé à construire le collège à Aldridge. Il faudra qu'il y aille plus tard. Jessica a juste besoin de savoir qu'on l'aime. Il faut lui dire tous les jours, sinon elle oublie. Jack, lui, il a tendance à se débarrasser des choses qu'on lui donne à faire. Si vous lui montrez bien la limite à ne pas dépasser, il la respectera. Oui. Et Margaret, c'est un peu tôt pour le dire, mais je pense que ce sera la plus belle de tous. C'est pas une raison pour la gâter. Mais un peu, quand même. Un peu, oui. Vous n'avez rien à me dire sur votre mari? Oh, lui. Un beau jour, dans quelques années, il est probable que vous vous disputerez avec lui à propos de rien. Il fera certainement allusion à la vie que vous meniez avant nous. Tout de suite après, il regrettera ce qu'il aura dit et il viendra vous demander pardon. Vous lui pardonnerez, n'est-ce pas? Sûrement, oui. Mais juste après, je lui frapperai la tête avec la vieille poêle. Est-ce que j'aurai raison? Oui. J'espère que la poêle tiendra. Mais le principe est bon. Il faut vous reposer. Pearl? Il n'y a pas longtemps, je parlais au Tout-Puissant. Et je lui disais que j'étais très en colère après lui. Et alors, je lui ai demandé, pourquoi veux-tu déjà m'emmener dans ton royaume? J'ai réalisé que si je n'avais pas été malade, je ne vous aurais pas connue. C'est mon meilleur réconfort. Seigneur,
Tu veilles sur cette terre depuis des générations, bien avant que les montagnes voient le jour et que ta main sculpte notre terre et notre monde. Et tu resteras notre Dieu pour l'éternité. Préserve-nous de tout péché, Seigneur. Veille sur nos âmes, nous, simples mortels. Accueille-nous un jour en ton royaume et règne sur nos terres et nos enfants afin qu'ils grandissent sous ta protection. Voulez-vous prendre Edwin Besley pour époux? Et jurez-vous devant Dieu de l'aimer et de le chérir, de le soigner si la maladie le frappe, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Et vous, Edwin Besley, voulez-vous prendre Jessica Hahn Hightower pour épouse? Jurez-vous devant le Seigneur de l'aimer et de la chérir, et de la soigner si la maladie la frappe, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés par cette église et l'état du Nebraska, je vous déclare mari et femme. C'est notre nuit de noces. Je suis un homme qui a beaucoup de chance.